à tous. Alors dernièrement, j'ai complètement craqué pour un livre aux éditions Marie-Claire. Il s'agit de Pompon Mania, 20 créations incroyables tout en pompons de Christine Leek. Alors dans ce livre, on voit tout pour la confection des pompons. Voilà, on nous explique même la technique de la fourchette. Alors moi, la technique de la fourchette, j'ai pas réussi. Moi, je vous ai montré la technique des ronds en carton. Mais c'est vrai que les disques en plastique sont très pratiques. Et c'est d'ailleurs ce que je vais utiliser pour vous montrer le modèle que on va réaliser ensemble. Donc là, c'est un disque en plastique qui fait 5 cm de diamètre. Voilà, on aura besoin de ça pour réaliser un pompon cœur. Et donc c'est un des modèles parmi donc les 20 qu'on retrouve dans ce livre. Et il y a plein de on retrouve des, bon, il y a des pompilles, là ça c'est génial, le pompon nuage avec les gouttes d'eau. Donc ça nous montre vraiment comment faire les gouttes d'eau et tout. Ça j'adore, franchement, le pompzaï comme ils appellent, le jeu de mots, très drôle. Donc voilà, on a des pompons pouffes. Des suspensions diverses et variées, on a des macarons, voilà, des pompons à rayures, donc il y a plein, le pompon cactus qui est super beau aussi. Alors les pompons sushi, enfin maki, on a juste envie de les manger. C'est vraiment super chouette quoi. Et donc moi j'ai craqué complètement pour le pompon cœur. Et donc j'ai décidé de vous montrer comment en réaliser un. Donc je me suis entraînée avant, hein, forcément. Donc voilà un pompon cœur. Hein, il est très sympa. Voilà, un joli pompon. Donc je suis partie sur une couleur jaune et une couleur violette. Voilà, pourpre. Donc bon, alors moi j'ai la méga pelote. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des pelotes aussi grosses, évidemment. C'est parce que c'est de la récup, hein, c'est des choses que j'ai trouvées. Des fois, on retrouve dans les magasins un peu low cost des promotions de grosses pelotes pour faire des grands pulls. Mais c'est super pratique également pour faire des bricolages. Donc, on va commencer à faire notre pompon cœur. Donc, pour ça, en fait, voilà, on assemble. Je sais pas si vous en avez déjà utilisé, mais on a des petites demi-sphères comme ça qui finalement vont se coincer un peu dans les trous ici. Bon, alors ça se tient pas super bien, mais c'est quand même pratique, donc il faut quand même maintenir, voilà, parce que sinon ça tient pas. Donc, et du coup on va commencer en fait la première étape. Donc la première étape, on commence avec la couleur, moi j'ai choisi donc la couleur la plus foncée qui va être donc l'extérieur en fait du pompon, donc toute la partie autour du cœur. Et donc pour faire ça, on va partir à peu près donc au tiers, donc c'est juste ici en fait avant le rond central, et on va l'enrouler. Donc on coince, on n'est pas obligé de faire un nœud, mais si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez faire un nœud. Voilà, puisque de toute façon ça va, en tournant ça va se coincer, hein, avec voilà. Donc, et on va faire 12, voilà, je vous montre là, hein, c'est quand même mieux. On va faire 12 tours jusqu'à atteindre le coin là. Ok, donc allez, on part là-dessus. Donc 12 tours. Et on essaye de ne pas superposer les fils. Donc évidemment, on va superposer le fil qu'on a laissé là. Mais sinon, on essaye vraiment de coller les fils les uns à côté des autres. Donc, alors, j'en ai déjà un. Et on en fait 12. Hein. 1, 2. Donc au départ, c'est vrai que ça bouge un peu. C'est pas très pratique. Mais après, ça ira mieux. Donc 2. 3. 4. 12. Ok, donc là on en a fait 12. Une fois qu'on en a fait 12 dans cette direction là, on va en refaire 8 dans ce sens là. Donc 1 2 3 4 5 6 7 8. Et une fois qu'on en a fait 8 ici, on va en refaire 6
en remontant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et maintenant, les 8 fois dans ce sens-là et les 6 fois dans l'autre sens, on va le faire encore 3 fois. Ok ? En essayant d'avoir la partie la plus enflée de ce côté-là. Donc on va plus serrer les brins dans ce côté-là. Et là, on sera plus large en fait. Ok, donc on va le refaire encore 3 fois. Donc j'ai déjà fait une fois. Donc on va faire la deuxième fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc là on l'a fait 2 fois. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc là c'est la troisième fois, donc on le fait une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Alors là j'ai la plotte qui... Hop, voilà. Donc 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc là maintenant en fait, voilà, on voit que la partie vers là est plus large que la partie là. Ça, ça permettra vraiment de faire le V, la partie là au niveau du cœur. Ok ? Donc là maintenant en fait et ben on peut, vu qu'on l'a fait 4 fois, on peut couper. Donc, où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? Ils étaient cachés là. Donc là bon bah je coupe le fil. Pareil, vous pouvez faire un nœud si vous vous sentez plus à l'aise, mais c'est pas la peine. Hein. Voilà. Donc maintenant on va passer vraiment au cœur. Donc là je prends une autre couleur, une deuxième couleur. Donc moi j'ai choisi jaune, évidemment vous choisissez la couleur que vous voulez. Et donc là, alors on va recouvrir en fait à peu près les 4. Alors on dit les 4 dans le livre, mais évidemment compter 4 ici c'est pas évident. Hein. Donc on va faire à peu près ici, hein, là, voilà, comme ça. Et on va enrouler déjà 4 fois. Donc c'est vraiment, c'est cette partie-là qui remonte là qu'on fait. Hein. Donc je tiens le fil ici et puis je vais enrouler donc déjà 4 fois. 1, 2, 3, 4. Ok, et après je vais continuer jusqu'à 20 en allant à peu près ici. Donc 4, 5, 19 et 20. Ok, on a fait 20 en arrivant jusque là. Ok, donc maintenant on va refaire 10 tours dans l'autre sens, mais sans repartir jusqu'ici, mais en partant à peu près là au troisième fil. C'est pour qu'on ait vraiment une pointe hein, au niveau du cœur, sinon ça va vous faire un arrondi et ça ressemblera pas à un cœur hein. Croyez-moi, j'ai testé. Donc il faut vraiment repartir d'ici, donc j'enroule et voilà. Donc je repars à peu près ici et je vais le faire 10 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc on arrive bon à peu près là, vous pouvez être arrivé là, c'est pas grave aussi. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire 50 tours. En faisant des allers-retours ici, donc sans descendre trop bas parce que sinon vous n'aurez pas de pointe, hein, vous aurez un arrondi. Et puis la zone la plus large, il faut vraiment qu'elle se situe ici pour faire ça en fait. Voilà, là, ce soit plus large ici. Donc à peu près là. Ok, donc on va le faire 50 tours. Hein. Alors on compte. 1, hein. Je vais dévider un peu ça, ça m'embêtera moins. Donc 1.
7, 8, 9, 10, 49 et 50. Donc voilà, on voit, moi j'ai fait un plus gros bourrelet ici. Une fois qu'on a fait ça, et ben on peut le couper, le fil aussi. Voilà. Et du coup on va reprendre ma couleur bordeaux là. Et bien maintenant on va partir à peu près au centre ici. Ok. Et on va faire des allers-retours. Donc si vous voulez savoir combien, on en fait 60. Hein, entre ce tour là et là, voilà, on va faire 60 allers-retours. Ok, allez, c'est parti. 2, 3, 4, 55, 56, 57, 58, 59 et 60. Ok, une fois qu'on en a fait 60, eh bien on va recouvrir l'intégralité. Donc là, ils disent 100 tours. Bon, est-ce que vous voulez compter jusqu'à 100? Bon, l'idée c'est vraiment de remplir et puis que le fil il arrive là comme ça, hein, pour qu'on puisse après fermer le pompon. Donc bon, si vous voulez compter, de toute façon de l'autre côté on va pas compter, hein, donc vous pouvez compter jusqu'à 100, moi j'ai pas envie. Donc voilà, moi je vais juste recouvrir, voilà, suffisamment. Hop, pour que cette partie là à peu près plate, et je pense que ce sera bon. Donc l'essentiel c'est de recouvrir complètement le jaune, hein, la partie du cœur de toute façon. Voilà, bon, ça m'a l'air pas mal, hein. On va peut-être en mettre encore un peu là. On peut fermer, ouais, ok. Bon, je pense que c'est bon. Donc pareil, je vais couper. Et puis bah maintenant, on va faire l'autre côté. Alors, bah, moi, je fais un côté uni. Hein. Après, si vous voulez refaire un cœur dans l'autre sens, bah, vous faites la même chose. Voilà. Moi, je fais uni. Donc bah, là, on démarre où on veut. Et puis là, on n'est pas obligé de compter. Hein. Sinon, on va compter jusqu'à 500. C'est pas trop l'idée. Donc, on tourne. Donc, faut faire à peu près les. Hein, on a encore de quoi faire parce qu'il faut avoir à peu près la même épaisseur ici. Donc, et ben encore un peu de patience. Hein. C'est long un pompon. Mais après, on est tellement contente du résultat que ça en vaut la peine. Ok, bon bah je crois qu'on va s'arrêter là, donc je coupe le fil, hein. Hop, et du coup maintenant en fait il faut soulever ça, hop. On rapproche ça et on le baisse, comme ça ça coince le système là, voilà, du coup maintenant ça tient tout seul et on n'a plus qu'à couper. Donc on part d'ici. Et on coupe. Bon. Ce qui est pas mal, c'est que déjà, là, on se rend compte qu'on n'a pas raté notre cœur et on a déjà la forme du cœur. Donc c'est rassurant, hein. Ok, donc c'est bon, j'ai réussi à couper le pompon tout partout. Donc maintenant, on va glisser un fil au milieu. Donc, comme ceci. Voilà. On va faire, moi, j'aime bien faire plusieurs nœuds pour être tranquille. Donc j'en fais un dans ce sens-là. Voilà. Et je refais un dans l'autre sens. Comme ça, au moins, ça tient bien.
Voilà. Et voilà. Donc, ok. Alors, maintenant, on peut soulever les petites languettes ici. Voilà. Et on soulève comme ça. Voilà. Pour retirer les ronds en plastique. Et on a notre pompon. Alors évidemment, il n'est pas rond, hein, il n'est voilà, il n'est pas encore comme celui-là, parce que celui-là, je l'ai taillé. Donc, et puis il y a des fils qui dépassent, mais c'est tout à fait normal. Donc maintenant, il suffit, alors, je prends ça pour ne pas faire trop de bazar, pour ne pas en mettre partout, surtout, et des ciseaux. Et maintenant, alors moi j'aime bien garder, je vais quand même couper, hein. J'aime bien garder une ficelle, enfin pas couper ma ficelle parce que comme ça, ça me permet d'accrocher mon pompon par la suite, hein, selon ce que je veux en faire. Mais vous pouvez tout à fait, si vous voulez juste un pompon bien rond, couper hein, la ficelle, c'est comme vous voulez. Moi, je vais juste l'égaliser pour en faire un joli pompon. Donc je tiens ma ficelle parce que je ne veux pas la couper. Et puis je vais juste, je taille. Pour faire un joli pompon rond, donc là faut le tailler jusqu'à ce que vous obteniez la forme que vous voulez. Donc faut pas hésiter à les bourriffer un peu comme ça. Voilà, bon après on peut le retailler encore. Hein. Mais voilà, en tout cas, un chouette pompon cœur. Hop. Voilà, bah, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager si vous l'avez aimée. Et bah, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !